Et à que faire à résumer les félins? À que faire à félin? Quand les rats? Quand il y a rats? Les rats? Les rats? J'dis ça, au fond du club on est deux ça. J'fais couler belle fée, j'paie la 10. On fout la merde. On se retrouve pour la troisième fois ici au théâtre de la chocolaterie avec un public en délire! Excusez-moi de couper la vidéo. Lors du tournage, j'ai oublié de vous dire que j'allais lancer un gros concours sur mon Instagram. Concours qui va pouvoir vous permettre de gagner un show privé. Oui, tu as bien entendu, un show privé pour toi, tes potes, ta famille, qui tu veux. Donc, va t'abonner à mon Instagram et tiens-toi prêt à participer au concours. Sur ce, bon visionnage. C'est la troisième de Joke de Papa sous hypnose. Mais avec une surprise, on a des invités. Le beau, l'incroyable, Gizzy. C'est bon. Ils sont trop chauds ou quoi? Ouais, ils sont chauds, mais en même temps, c'est mes abonnés, frère. Tu crois quoi? Ok, on les applaudit. On a aussi la charmante, la belle, l'unique, Ligaïa. Je vous mets bien sûr tout dans la description de leur chaîne Twitch, leur chaîne YouTube et bien sûr la chaîne YouTube du beau gosse, le sportif, ouais. Scoot the Street. Je sais. Merci, ça fait plaisir. Donc, une équipe de youtubeurs, de streamers, qui va affronter une équipe d'abonnés. Une équipe d'abonnés ici, donc vous ne les connaissez pas, ce sont des abonnés. Comment tu t'intitules? Ben. Ok. je t'entendais un truc plus long. Nouveau, une belle gosse, comment tu t'appelles? Elora. Elora, ok. Et ici? Méziane. Méziane, on dit bonjour Méziane. Bonjour Méziane. Donc, je rappelle rapidement les règles. Elles sont simples. Tu ris, tu dors. Voilà. Là, on peut pas faire plus simple. Uno. Vous avez... Elle n'en peut plus, ça part bien. On l'a pas? Non, c'est okay, pas. Mais dès que vous allez dormir, on va mettre dans vos cerveaux un ordre hypnotique, une contrainte, qui va être une contrainte pour l'équipe adverse, mais un avantage pour vous, quelque part, parce que le but, c'est de faire rire les autres. Joke de papa sous hypnose. 3. C'est maintenant. On va essayer un petit truc et c'est ça qui est cool, c'est que ça va partir direct. Mettez bien les mains sur vos jambes ou sur la table, comme vous préférez. Et vous allez juste chacun à votre tour regarder la pop de la main. Tu regardes ici, sommeil profond, tu es bien, calme, relâché. 1, 2, 3, sommeil profond, bien, calme, relâché. Vous enfoncez tranquillement plus profond de vous-même, de plus en plus. À partir de maintenant, lorsque vous verrez quelqu'un ici autour de cette table, vous tirez dessus avec ses doigts, vous partirez instantanément dans cet état de calme, de paix, de bien-être. Je compte 3, vos yeux s'ouvrent maintenant. Ça va? Alors, je vais juste vous demander de mettre vos mains sous la table, de préparer vos doigts en forme de pistolet. Sur le compte de 3, il va falloir dégainer le plus vite possible, de manière à réussir à endormir le maximum de personnes en face. L'équipe, avec des gens qui resteront éveillés à l'intérieur, commence le match. 1, 2, 3 Ok, donc c'est vous qui allez commencer. Honneur aux dames, bien entendu, donc c'est toi qui vas commencer. Première blague, on y va. Concentration. Les hommes sont comme le mascara, ils disparaissent au moindre signe d'émotion. Super drôle. Ouais, tu t'amuses quoi. T'as coupé le milieu, ouais. Et ouais, mais... En même temps, t'as dit super drôle. Je suis bien calme. Voilà. À partir de maintenant, Elora, je viens totalement supprimer tes cordes vocales. À partir de maintenant, tes cordes vocales ont totalement disparu. Et tu vas être dans l'obligation la plus totale de t'exprimer uniquement en langage des signes. 3, tu roules les yeux maintenant. Ok, donc t'as gagné, donc ça passe à l'autre équipe. Ça va toi? Attends, y a pas une blague encore, Profite parce qu'il y a pas une blague. Ça sent mauvais pour vous. Hein, je... Il est sous pression, oh, les. Vraiment, petit frérot, fais un première blague, c'est dur, à toi. C'est dur. C'est à toi, vas-y. Jonathan. Je ne comprends pas. Tu peux en dire une perso? Tu peux en dire une perso, tu as le droit. Attention, c'est parti. Comment appelle-t-on le sillon interfécié des schtroumpfs? Zéro effort. Non mais, finis là quand même, finis là quand même. Non, frérot, tu peux pas. La bourrée. Il en fait chuter deux, quoi. Sommeil profond, tu es bien, calme, relâché. À partir de maintenant, ici, je viens juste
bloquer ta mâchoire inférieure. À partir de maintenant, ta mâchoire inférieure est toute molle. Impossible pour toi de parler correctement. À partir de maintenant, tes mains sont totalement collées, vissées, serrées, ici, sur cette table. Je compte 3, vous ouvrez les yeux maintenant. T'es, donc ça passe de ce côté-là. Attention. Ah, ouais, non. Ah ben. Allez, viens, pleurer. Ah, moi, je vais. Eh, hey, il y a de la puissance. Eh, hey, là, les deux, là. Les deux, il y a un mental. Oh, merde. Sommet profond, tout bien calme, monsieur. Sommet profond, bien calme. Là, je t'enfonce tranquillement un peu plus fort. Il est trop chaud de ouf. À partir de maintenant, Laura, je viens totalement remettre tes cordes vocales. Mais tu te transformes tout simplement en petite fille de 4 ans. Benjamin, ici, je viens juste modifier ton cerveau. Et à partir de maintenant, tu es dans l'obligation la plus totale de raconter toutes tes blagues en verlan. Impossible pour toi de raconter les blagues dans le bon sens. Obligé de lire les mots de ta blague à partir du dernier jusqu'au premier. Je compte 3, vous ouvrez les yeux maintenant. Ligaïa, vas-y, c'est ton tour. Prépare si tu veux. Vas-y. Je vais apprendre à mon pénis à faire le café, puisqu'il est debout avant moi le matin, autant en profiter. Par rapport au fait qu'il bande de ouf. On aurait jamais dû inviter Guizzy, je te jure. Non, c'est pour les adultes, mais j'aime bien ta blague. Elle est marrante. Guizzy, deuxième blague. Alors, c'est le jeu. Comment s'appelle le curé des Portugais? Vous l'avez pas? La bétonnière. C'est par rapport au béton, moi, le Portugal. Non, ok. Ma sauce d'haricots préférée, l'assaisonnement était quelle? Oh, il te l'a mis, mais... Vrets! C'était beaucoup trop fluide. C'est ouais, mais c'est un truc de fou. Je recommence. Macias d'Enrico préféré, l'assaisonnement était quel? Lai 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 lai. Waouh! On est ensemble, bon. Sommeil profond, tu es dans quel mot lâcher? Je t'enfonce tranquillement, plus profond de toi-même encore. Elle était pas mal. À partir de maintenant, je viens juste modifier ton odorat. À partir de maintenant, la personne se trouvant à ta gauche se met à dégager l'odeur la plus désagréable que tu n'as jamais sentie. 3, tu vois les yeux maintenant. Donc, hein, c'est à toi. Ok. Allez, viens, viens. Non, mais ça va, ça. De quoi? J'ai l'impression qu'il y a plus une team ennemie, quoi. Alors, le quoi. Déo, c'est ton ennemi aussi ou... Oh, qu'est-ce que... Oh. Enfin, pardon, mais... Oh, y'a y'a. T'as dit? Ouais, ça y est, gros. Ah, un. Ok. Non, mais. Regarde, un, deux déjà. Vas-y, finis ouais, là, vas-y, on va voir si tu fais un trio. T'en as déjà tombé deux, vas-y. Mais Yann, c'est maintenant. Allez, mon ami. Ouais? Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et qu'il veut recoudrer? C'est Nathan. Et on est carré, bon. Oh. Wow, ouais, le self-control. En vrai, elle était bien. En vrai, elle était bien. Ok, c'est à toi. À moi? Ah oui. À faire la blague? Oui. Et, mais, par contre, je sais pas bien lire. Wow. Ah oui, non, mais autant pour moi. Désolé, j'avais pas pensé à ce détail, en fait. Est-ce que Méziane, tu pourrais peut-être lui lire la blague à l'oreille pour qu'elle la dise? Oui, dis-moi la blague. La plus longue, j'imagine. Non, la plus courte, s'il te plaît. Je sais pas lire. Hier, j'ai vu une mouche écrasée sur un mur. Ah, stop. Hier, j'ai vu une mouche écrasée sur un mur. Elle devait voler super vite. C'est fini, hein. Non. On va les choisir, nous, les blagues. On va les choisir. C'est Méziane. Attention, prêt. Qu'est-ce qu'un buisson au bord de la route? Une portugaise qui fait du stop. Oui, on en a déjà eu pour les Portugais, quoi, les pauvres. Dites-nous en commentaire, à votre avis, qui va lâcher le premier? Parce que là, on a quand même les deux, là. Il n'y en a pas un qui a lâché encore. Donc, oui. Là, c'est bon, ça passe ici. Qu'est-ce qui est rond, qui a plein de poils tout autour et qui...
Ben non, en fait, il faut finir la blague. En fait, t'as pas compris encore le jeu. Et qui est humide au milieu. Je sais pas. Un œil, évidemment. Non mais c'est trop facile là, je sais pas ce qui se passe là, mais ça va être trop, vous êtes bien calme, relâche. À partir de maintenant, Elora, en bonne petite fille de 4 ans, tu vas être obligée de répéter chaque phrase que Antoine, avec le pull bleu en face de toi, va prononcer. 3, tu vois les yeux maintenant. Gizzy, prend son temps. Prends pas de douche aussi. Quoi? T'as défoncé. Allez, vas-y, je vais... T'es prêt? Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Il y en a. C'est pas ça la blague. Du coup, c'est un coq qui drague une poule. T'es ok jusque-là? T'as de beaux œufs, tu sais. Jamais deux sans trois. Par rapport au... Oh. C'est... Donc, ça passe. T'as repasse à toi. Ok. Et à quoi, hein? Arrête, hein? Et à que rien à rêver les félins. À que rien à rêver les félins. Quand les rats. Quand il y a un rat. Les rats. Les rats. Non, non, non. Mais non, mais depuis tout à l'heure, vous le voyez ou pas? Depuis tout à l'heure, ça monte, ça vibre et tout, là, les lèvres. Mec, il y a les babines qui vibrent et tout, quoi. Tiens, regarde juste ici, 1, 2, 3, sommeil profond. Tiens, maintenant, je viens juste retirer l'ordre de tout à l'heure qui est que tu dois lire les cartes à l'envers. Mais je viens maintenant juste mettre dans ton esprit et dans ton corps, tout simplement, 3 grammes d'alcool. À partir de maintenant, tu es totalement ici, bourré. Je compte 3, tu vois les yeux maintenant. Maman m'a dit c'est pas bien de se bourrer. Hein? Maman, elle m'a dit c'est pas bien de se bourrer. Avec de l'alcool? Oui. Ah, d'accord. Elle a dit non. Alors, deux amis discutent. L'un demande à l'autre. Attends, calme-toi quand même. Tu m'as piqué ma carte. Ouais. Rends-moi ma carte. Rends-moi ma carte. Maman, j'ai pas compris la blague. Ah, non mais attends, c'est pas une blague. Les amis, oui ou non? Là, tu regardes ici, 2, 3, sommeil profond, j'ai bien calme, relâché, t'enfonces tranquillement, plus profond de toi-même. À partir de maintenant, je viens juste induire un ordre hypnotique à l'intérieur de ton esprit. À partir de maintenant, je suis dans l'obligation la plus totale de lire chacune de tes blagues en posant un rap. 3, tu vois, maintenant. Je suis pas aidé, moi, vraiment. C'est à toi, je crois. Oh, j'en ai une. Wow. C'est un pistolet qui dit à une mitraillette. Ça fait combien de temps que tu bégayes? Non, 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 en fait, je viens de trop me dire. Non, non, mais véridique, non, véridique. Ça va me dire, même bourré, elle me fait pas rire. Oh merde! Je pense que c'est le bon moment, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Parce que là, c'est. En vrai, ça compte pas. Mais tu fais rigoler tout seul. On est ensemble. Le sang de la veine. C'est à toi de dire ta blague. Il faut essayer de faire chuter Méziane parce que c'est le grand champion de cette vidéo. Ok. Que dit un Mexicain qui lave son linge? C'est sale ça. Et on danse la salsa. Et danse la salsa. Il y a du mouvement ici. J'ai mal! Mes amis, j'ai mal! Ah merde! Ah tiens, tu regardes ici, hein? Je vais maintenant retirer cette petite fille de 4 ans. Bien sûr, tu redeviens la même personne que tu étais au début du tournage, mais tu es dans l'obligation la plus totale de voir en face de toi Gizzy, complètement nu. Sans que tu puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Je compte 2, cette ordre s'imprègne dans ton esprit. Et dans ton regard, tu es totalement nu. Et je compte 3. Mais il fait quoi l'autre là-bas là? Il s'exhibe? Non mais sérieux? Ça va là, c'est bon là, c'est... Oh, non mais... Il faut qu'il se rhabille. Allez Gizzy, assieds-toi. On est en tournage là. Donc c'est à toi. Mais j'en ai une personnelle. Quoi? Pourquoi? Bam. Ok. Pourquoi Napoléon? Oui, Napoléon, comme ça. Napoléon. Pourquoi Napoléon? Il a jamais déménagé.
Jamais, jamais. Ouais. Jamais. Non. Il a jamais déménagé. Pourquoi il a jamais déménagé? Bah, je pense parce que, tu sais, pour déménager à une main, c'est chaud. Non, frère. Parce qu'il avait un bon appart. À partir de maintenant, Antoine, ta mâchoire reprend une position normale. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus du tout Antoine, tu es tout simplement Anastasia. À partir de maintenant, Elsa, tu t'aperçois que ton nombre d'abonnés sur Twitch n'est plus de 16 000, mais de 16 millions. Tu es devenue la plus grande streameuse de tous les temps. Une superstar. Si bien que, dès que quelqu'un posera les yeux sur toi, tu seras dans l'obligation de lui dire « Bah oui, c'est moi ». Tu sens cette fierté monter en toi, et je compte 3 tes yeux s'ouvrent maintenant. Ouais, c'est moi. C'est vous la streameuse? Ouais, c'est moi. Mais non. Ouais. Mais vous êtes qui? Genre, c'est elle. Ouais, c'est moi. Mais why? Non, ça te dérange pas, je suis un petit selfie. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Attends, tac. Tu me mets un autographe. Oh, merci beaucoup, hein. J'adore ce que tu fais. Ouais, c'est moi. Ok. Et à partir de maintenant, on va juste déclencher la finale. Lorsque vous vous mettez à rire, vos yeux se ferment et vous retombez instantanément sur ces coussins dans cet état de calme, de paix et de bien-être. 3, vos yeux s'ouvrent maintenant. Ok, vas-y Méziane. Méziane n'a pas encore un seul ordre hypnotique, c'est ouf. Franchement, on peut leur un peu... Que dit un policier quand il arrête un citron? Plus un zeste. Par rapport okay. Au zeste de citron. Exactement. Expert. Ouais, non, mais même. Attention, c'est pour tout le monde, Antoine. C'est à toi. Moi, c'est Anastasia. Pardon, t'en que se passe-t-il quand on mange un pépito Tu dis à l'endroit. Oh, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Bon travail d'équipe. Oh merde. Ok, je la refais. Que se passe-t-il quand on mange un pépito à minuit? Vous savez pas? Ah, il est mort tout seul. Il avait même pas vu partir celui-là. Oh putain. Les gars, le duel. Gizzy, c'est à toi. Yeah, regarde-moi dans les yeux. C'est quoi la différence entre un 69 et la tour Eiffel? C'est la vue. C'est moins de points nuls la tour Eiffel. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Bien sûr, on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, la cloche, tout. Et bien sûr, allez s'abonner à la chaîne de Gizzy, d'aller faire un petit tour sur le Twitch de Ligaya et sur la chaîne de Scoot de Street. Moi, je vous remercie tous d'être venus. Je remercie le théâtre de la Chocolaterie. Je remercie IceMind de nous aider sur les tournages. Fokuza de nous prendre en photo. Et vous retrouvez les photos, le lien est dans la description aussi. Tout est dans la description dans tous les cas. Merci à tous les trois, bon bah ils dorment, d'avoir participé. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je suis en train de parler au micro-cravate et peut-être que j'ai un peu le seum. Parce qu'en vrai, les blagues, elles sont éclatées au sous-sol. Et là, j'ai clairement le seum, quoi. Excuse-moi, je fais un podcast. Vas-y, vas-y.